Ah. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre bande. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner en cliquant sur s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, c'est très important. Quand vous serez touché par cette vidéo, cliquez directement sur j'aime. C'est un message tellement puissant que je pense que vous devez bien l'écouter. Écoutez bien ce que nous allons vous dire. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la musique. De la musique. Pourquoi? C'est tout simplement parce que il y a quelques secondes, nous venons de tomber sur deux clips. En fait, il y a le premier clip que nous avons vu sur une vidéo que nous regardions sur une de nos chaînes. Et ce clip révélait quelque chose de vraiment étrange. Ça nous a tellement surpris que nous nous sommes dit, il faut l'étudier. Il faut vraiment l'étudier. Et pour pouvoir bien analyser un clip musical, il faut toujours couper le son de la musique. Tu dois toujours couper le son de cette musique afin que tu puisses bien regarder le clip avec les images. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'on a fait. Quand vous coupez le son et que vous regardez le clip, la seule chose qui revient à chaque fois, ce sont les fesses des femmes. Les fesses des femmes. Du début du clip jusqu'à la fin du clip, on ne voit que voir les fesses des femmes qui remuent comme ça. Comme si un tremblement était comme ça. Ah! Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je me suis dit que peut-être que je me suis trompé, c'est une image. Et que peut-être que c'est nous, on invente des histoires. C'est ainsi que je suis allé jusqu'à la fin de ce clip. Et à un moment donné, j'ai vu même que celui-là même qui chante cette chanson, ou encore qui est en train de faire le clip, l'acteur, il a pris sa main et lui-même, il a positionné sa main sur les fesses d'une fille. Et les caméras étaient braquées là-dessus comme ça. Et les caméras filmaient la scène. Oui. Et puis, la fille, elle dansait. Comme si elle était en train de faire du twerk. C'est la même chose, c'est le twerk même. Qu'est-ce que cette image veut dire? Ça veut dire que le gars qui était en train de chanter là, il nous transmet un message pour nous dire que voici une fille, elle est bonne, elle a des fesses, elle a comme ça, allez vers elle. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il est en train de prêcher. C'est un pasteur qui est là même. Ça peut te faire rire, mais c'est un pasteur même qui est là, en train de te dire, mon ami, tu es jeune, va vers le sexe, va vers la fille. Ma fille, ma jolie, toi si tu es jeune, tu as des fesses. Il faut exposer tes fesses, il faut les remuer pour que les hommes puissent aller vers toi. C'est la promotion de quoi? Du sexe. Du sexe. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce monde. Les gens publient dans leurs clips musicaux. Ils font la promotion du sexe. Ils publient le diable ou encore les sirènes. En fait, tous les clips que vous allez voir, vous allez voir des femmes qui sont en train de s'habiller, de se remuer de façon bizarre, même de s'habiller de façon sexy. Toutes ces femmes qui sont là, toute cette représentation-là, l'ensemble de cette histoire représente une sirène ou les sirènes, le monde sous-marin. Ce sont elles qui sont à la base de cette nouvelle mode de vie qu'on appelle même être sexy. La vidéo précédente en dit long sur le sujet. Nous avons fait une vidéo de type analyse où nous avons tout simplement vu des vêtements hors du commun. Et ce cas-là, il a touché les fesses de la fille et c'était les fesses qui tournaient dans les clips. De A à Z. Toi, mon frère, tu peux tomber sur le même clip. Si tu tombes sur ce clip-là, et faire attention, si tu as regardé au point où tu as aimé, jusqu'à toi-même, tu vas aller faire les choses avec une fille, le diable t'a eu. Le prophète te dit, si tu sais que tu ne seras pas fort, tu ne vas pas résister à cette tentation. Ne regarde même pas ces clips et évite la chanson.
Parce que ça, là, ça va te conduire dans une dimension où tu n'as même pas envie d'aller. C'est le diable lui-même qui est derrière cela et il t'attend comme ça, il attend que tu tombes dans son piège. Et c'est la séduction. Le diable veut te séduire. Et toutes les filles qui dansaient dans ce clip, elles avaient moins de, on peut dire moins de 30 ans, sinon moins de 25 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'ils ont 30 ans, on dit que c'est la jeunesse. Donc ce sont les jeunes qui sont visés par cette histoire. Ça veut dire que le diable veut vraiment contrôler la jeunesse au niveau du sexe. Il veut créer une génération pervertie. C'est pourquoi tous les clips qui vont venir, vous allez voir des femmes nues, ou même celles-mêmes qui chantent là, elles seraient en train de remuer ses fesses. La danse twerk là, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le twerk? Nous allons vous dire. La danse twerk, c'est la danse la plus appropriée pour séduire quelqu'un. C'est la danse que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui partout dans le monde pour pouvoir conduire les gens dans le péché sexuel. Le diable te séduit. Et son âme de séduction là, c'est cette danse là. Ça veut dire qu'il y a certaines danses qui sont des danses qui ne viennent pas de Dieu du tout. Ce sont des danses qui viennent directement du monde des ténèbres et principalement des sirènes. Nous allons vous dire, elles sont réelles. Si tu as l'habitude de les regarder, de les voir, de les dessins animés, puis tu te dis, oh, c'est un dessin animé, mon frère, nous allons te dire, elles existent. Et elles veulent favoriser une atmosphère pareille, une atmosphère où les gens sont attirés par les fesses et les seins, de sorte que les femmes aussi puissent tout simplement utiliser ces produits. Et ces produits, ce sont des vêtements sexy pour pouvoir bien serrer les fesses, bien serrer les poitrines. Excusez-nous, de sorte que vous puissiez être attiré d'une manière que c'est pas possible. Même les make-up, toutes ces histoires qu'on voit là, ces choses sont là juste pour créer une sorte de beauté artificielle, une beauté diabolique. De sorte que la séduction s'intensifie. L'esprit de séduction, qui est un démon là, ça s'intensifie dans la société et que les gens aient du mal à résister à la tentation. Du coup, ils auront tous du mal à éviter des péchés. Et si ils n'ont pas la capacité de résister à la tentation, ce qui va se passer, c'est que le diable va les avoir. Et ces gens-là vont pécher par le sexe. C'est un chemin que le diable est en train de travailler. Même il publie cela maintenant. Il faut faire attention. Nous savons tous que le salaire du péché, là, c'est la mort. Donc le diable veut vous tuer spirituellement parlant par le sexe. Il veut faire en sorte que les jeunes soient accros au sexe. Et que dans leur tête, ce soit que les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Fesses des femmes, seins des femmes, fesses des femmes, seins des femmes. Même les enfants, ils auront des problèmes. Parce que même ils vont voir la chose à la télé, comme ça, et ils vont se poser la question de savoir, mais dans quel monde sommes-nous? Sommes-nous dans un monde normal? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, les gens ne sont plus normaux. Il dit non, je suis plus normal. Il chante jusqu'à dire oh non, je ne suis plus normal, je ne suis plus normal. Et c'est vrai, parce que c'est pas normal. Et tout ça dans un clip. Quand j'ai fini de regarder le clip, directement, un autre clip a suivi. Vous savez que sur YouTube, vraiment, les gens font un travail excellent. Quand vous regardez un clip et que vous avez du mal à comprendre ce clip, YouTube, le système YouTube peut vous amener vers une autre vidéo pour vous aider à bien comprendre ce que vous n'avez pas bien compris de le clip précédent. Et moi, j'étais en train d'observer, je regardais. Après avoir fini de regarder le clip précédent où ce gars-là me bichette puis touche les fesses de la femme là. Moi-même, des fesses de la fille là, c'est une fille. Moi-même, quand j'ai fini de regarder ça, j'étais même sous le choc. Je me demandais, mais qu'est-ce que j'allais vous dire même? Qu'est-ce que j'allais vous dire pour vous prévenir? Parce que,
Surtout que là, c'est un clip nouveau, ça vient de sortir, et puis regarde ce que ça te donne comme valeur. C'est dangereux, ça, c'est comme du poison. Ou bien du piment, faut pas savoir entrer dans vos yeux. Donc il faut qu'on agisse vite pour vous prévenir, pour que vous-même vous fassiez attention. Donc moi je devais comprendre ce qui s'est passé carrément dans le clip, pourquoi c'est comme ça. Et voici que je vais tomber sur un autre clip, comme on vous l'a dit. Un clip ancien, c'est pas de notre génération, c'est sorti, je pense, en 2012. J'ai vu, ça a été publié en 2012, mais quand je regarde le clip, je pense que ça date de très longtemps, vu la qualité de la vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que la qualité du montage était excellente. C'est-à-dire, la qualité de la vidéo n'est pas bonne, mais la manière dont les gens ont fait les transitions, les effets spéciaux, tout ça, même si c'était dans le passé, vraiment c'était impeccable. J'avais même du mal à comprendre comment ils ont pu faire cela. Comme si ça avait déjà été travaillé par des gens qui voyaient déjà l'avenir. Sinon, par des gens qui sont connectés à des esprits. Des esprits même qui les aident dans ce travail, dans ce mouvement-là. Tu chantes et tu fais le clip. Et ce clip-là révèle tout ce que tu dis dans la chanson, mais d'une manière que les gens ne puissent pas bien voir parce qu'ils seront accrochés au son. Le son que tu étais d'écouter là, ça va tellement te propulser dans une autre dimension, ça va ouvrir des portes à ton esprit. Tu ne pourras même pas détecter les images, ce que tu dois détecter là. Tu ne pourras pas les détecter facilement à cause du son qui est en dessous. C'est pourquoi il est très important de couper le son, de regarder les images, des clips sans son, sans musique. Tu vas voir une autre chose. C'est-à-dire, tu vas voir la chose que tu n'as jamais vue. C'est ce que tu vas voir, les choses que tu n'as pas bien perçues. Et j'ai vu exactement ce que je n'avais pas bien perçu, ou je n'ai pas bien compris dans le clip précédent. Je sais que dans le clip précédent, on me parlait du sexe. Puisque les gens étaient en train de danser, faisaient des twerks. Et celui-là même, qui est l'artiste, là, il est en train de chanter, lui-même, il touche ses fesses carrément, même, il touche, il prend sa main, il touche les fesses d'une fille. Ça me dit directement qu'il veut vraiment que j'arrive jusqu'au péché, il veut m'amener au péché. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Mais je voulais savoir et comprendre ces choses. Et le prochain clip m'a tellement surpris. Malgré la vieillesse de ce clip a tout révélé. Nous allons essayer de vous dire ce qu'on a vu et nous essaierons de comprendre ensemble. Premier élément, vous devez savoir que le clip parle, c'est-à-dire le clip a pour titre les pantalons. En fait, les pantalons pour femmes. C'est ça le titre de ce clip, de cette chanson. C'est quoi ça? Et effectivement, dans le clip, les filles qui sont dans le clip, elles sont habillées en pantalons. Des pantalons de couleur rouge, de couleur bleue. Et ces pantalons-là, ils étaient tellement faits d'une manière bizarre que quand une fille qui a porté un string, quand une fille porte, c'est-à-dire si une fille a porté un string et qu'elle porte ce pantalon, vous avez l'impression que on voit le haut du string là grandement. Et on voit que ce pantalon-là, on s'est couvert cette petite partie, c'est-à-dire là où commencent même les fesses, là ça devient un peu bombé. Sinon, au niveau du torse là, franchement, c'est pas vrai. Je regarde. Une femme qui porte du pantalon et puis on voit c'est son string. Toi, tu t'es habillé pourquoi? Mais pourquoi tu t'es habillé? En fait, elles ne sont pas habillées. Elles sont tout simplement en train de nous dire de nous déshabiller. Et c'est exactement ce qui se passait dans le clip au travers de tout ce que nous étions en train de voir. Et ce qui est étrange que j'ai vu encore, c'est que au niveau du haut, juste là, au niveau du haut, les femmes, les filles là, elles avaient juste porté des petits vêtements hauts, bien collants là, et on voyait leurs nombrils. Leurs nombrils, c'est-à-dire leur bas-ventre était ouvert. Bas-ventre ouvert. Et quand elles se mettent à danser, la caméra filme leurs fesses, leur bas-ventre et le sein. Et la plupart du temps, ce sont les fesses. Parce que c'est pas loin de là que se trouve la partie génitale.
Ça veut dire que c'est exactement ce que le démon veut nous communiquer. Le sexe. Sexe, 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 sexe. Séduction, séduction, séduction pour le sexe. Oh, mariage. Oh, mariage. Ce qui est égal au péché qui mène en enfer. Et c'est prêché dans cette chanson. Et ce qui va même vous choquer et vous confirmer qu'effectivement, nous avons affaire à une sirène qui est en train de travailler avec des artistes pour conduire les gens dans les problèmes. C'est le fait que dans le clip, on voit ces filles-là qui sont en train de danser, vous savez où? Dans de l'eau! Elles sont en train de danser dans de l'eau. Et celui-là même qui chante là, il chante à un moment donné, il dit, il prononce, oh la queue de poisson! Oh la queue de poisson! Elles sont dans de l'eau. Et lui, il prononce la queue de poisson. Peut-être qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de prêcher quoi ici? C'est quel pasteur ça? Ce pasteur-là, ou encore ce prophète qui est là même devant vous, que vous êtes en train de regarder dans ce clip, vous appelez la star qui est en train de chanter là. En fait, c'est un pasteur qui est en train de prêcher sur une femme poisson. Et cette femme poisson-là, sa raison même, c'est la sirène-là. Et lui, il la connaît très bien. Ça veut dire aussi que toutes les filles qui se trouvent dans ce clip-là, elles ont un lien avec cette sirène-là. Ou encore, elles ont appris cette manière de danser là, dans le monde de la sirène. C'est de là-bas elles ont appris à danser comme ça. En plus, à se vêtir de la sorte. Ah, mes frères et sœurs, mes sœurs, je suis même sous le choc, je suis toujours sous le choc. Je suis encore plus étonné même qu'étonné, parce que c'est si réel. En même temps, c'est si simple. Si toi tu ne connais pas ces signes, on t'a jamais parlé là, tu ne sauras pas que c'est le diable qui est là, ou encore c'est des démons qui te cherchent par tous les moyens. Et il a décidé de s'introduire dans la musique et bien se cacher comme ça, il est bien caché dans la musique. Oh, il faut pas, il va me voir, il faut pas, il va me voir. On va te voir aujourd'hui. Ceux qui auront les yeux pour voir vont voir ça. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Retenez bien, les clips aujourd'hui, dans tous les clips qui sortent là, les clips des chansons profanes, tous ces clips là présentent des femmes nues, des femmes sexy. Et quand vous voyez ça, mettez-vous directement dans la tête qu'il y a un esprit mauvais qui est là. Et cet esprit-là veut vous pousser à pécher. Et à faire quelle sorte de péché? C'est le péché sexuel. Voilà. Et ce péché sexuel-là risque de vous connecter au démon même qui vous a poussé à pécher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez ce clip-là où on vous a dit que les filles sont en train de danser dans de l'eau là, si tu regardes ce clip et puis tu as vu les filles sont nues comme ça en train de danser, puis toi, tu as été séduit, tu as été attiré par ses fesses, tu as regardé comme ça, même pas toi, tu as eu un profond désir, tu as dit oh. Je vais aller dans la douche pour faire les choses ou même chercher une fille, même la masturbation. Te masturber. La personne avec qui tu vas te masturber là, c'est l'esprit qui t'a permis de voir. C'est-à-dire l'esprit qui a favorisé tout ce que tu as vu là. C'est cet esprit mauvais là avec qui tu vas avoir des rapports. Automatiquement, tu seras connecté à cette entité démoniaque sans le savoir. C'est comme ça que tu vas te mettre à te masturber matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu ne veux pas, mais tu continues. Tu ne veux pas, mais tu continues. Tu vas arrêter. Mais tu ne sais pas comment tu vas faire pour arrêter. Et tu ne sais pas non plus que la chose là même qui amplifie même la force ou la puissance de ce démon de la masturbation qui est dans ta vie, c'est tout simplement les clips que tu regardes où tu vois chaque jour, matin, midi, soir, des femmes habillées de façon sexy, avec les seins qui sont bombés comme ça et les fesses qui remuent. Tu ne vas pas comprendre. C'est-à-dire que celui qui est dans la masturbation, là, il doit analyser bien sa vie et sortir de là. Parce que c'est une situation qui va te conduire en enfer. Et tu dois t'éloigner de tous les clips qui te connectent ou qui te rappellent que tu dois avoir le sexe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la musique que tu écoutes
a un rôle à jouer dans cette histoire, dans ta délivrance. Si tu veux être délivré, écoute, arrête d'écouter les n'importe quoi. Toi, mais tu regardes, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment les gens peuvent danser comme ça? Avec les fesses qui remuent. Regardez la danse qu'on appelle le twerk. Quand tu regardes cette danse là, même tu vois les gens danser là, même toi, mais tu te poses une question. Est-ce que ces filles-là vont aux toilettes même? Vraiment? Parce que tu as l'impression que tellement la chose est mise en valeur là. C'est comme si c'était une bonne chose, une chose précieuse, comme s'il n'y avait que ça. J'ai du mal à y croire. Mes frères et sœurs, le diable travaille. Et c'est sérieusement dans la musique qu'on voit que le diable vraiment travaille sur notre dos. Que ces informations vous aident. Nous n'avons pas encore fini notre étude à ce niveau. Vous n'êtes pas manqué. Les prochaines vidéos qui vont aussi parler de telles choses, nous vous recommandons, mes frères et sœurs, de vous abonner en cliquant s'abonner si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur la cloche sur la TV, activez-la. Et vous-même, vous pouvez cliquer sur j'aime et regarder, analyser même les clips que vous aimez le plus. Et vous verrez que tout ce que nous sommes en train de voir à côté aujourd'hui, si nous sommes bons, c'est pas du jeu.